making me strong. What is the wrong? It's gonna make me sorry. What is the right making me strong? What is the wrong? It's gonna make me sorry. Making me strong. What is wrong? It's gonna make me sorry. Yeah. Honey, I can still remember you in your cloud white dress, running through those fields and carrots. Ça fait 11 ans, en fait. Moi, ça fait 9-10 ans que je vous connais, que je danse avec vous autres. C'est mon corps. C'est une belle place. Depuis qu'on construit ça, ça fait des gros changements. Des gros changements. Ouais. Non, mais il ne pouvait pas danser, lui, avant. Il ne pouvait pas danser, c'est quoi? Il avait deux pieds dans la même bottine. Comme elle n'aime pas brasser la danse, parce qu'elle danse bien, Charlie. Oh, il danse bien. Il danse bien. Il a arrêté de danser pour un peu de temps, parce que ça marche. Et puis aujourd'hui, il faut que je fasse attention. Il y a plusieurs danses, et si ça tourne trop, je les apprends. Mais ça ici, c'est quelque chose qui est bien parce que tu as débris un peu, débris s'il commence. Ça avait l'air, hein? Ici, c'est tellement beau au bord de l'eau, on dirait que c'est une peinture avec le nuage. Quand c'est nuagé comme ça, là, c'est magnifique. La vue est super. Surtout quand le soleil il fait chaud. Je te remercie de ton gilet. Tantôt, dans cette quand on arrive ici, je disais, on arrive du côté sud, là, il fait chaud. C'est vrai. Oui, le vent aujourd'hui, il est fort. Très fort.
ça va? Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps, ok? C'est vrai que c'est ça.
Ouais. Waouh, c'est une bonne course. Tiens, je te paye une bière pour ça. Moi je te paye une bière, hein. Tu pourras au moins me dire c'est quoi ton nom. Bertrand. Hello,
Rejoins-moi, même place, même heure demain. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de laver mon chien, des colis. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Est-ce que je suis mouillé? Je viens de laver mon chien. En forme? Pas pire, pas pire. Et? Tout bon? Pas grand chose, là. Ouais? Je suis passé dans le but, je me suis dit. Ouais? Non, t'as voir. Mais ouais, t'as pas fait? Ouais, comme tu vois, moi, je suis dans le déménagement, là. J'ai vendu toutes mes affaires, là, tout mon stock. Quasiment plus rien, là. Il me reste 2-3 cossins, là. Ouais. Cool. Ouais. Ben, faites le vide un peu là, dans ma vie. Là. Je me sens plus libéré. Là. T'auras pas besoin de tes nouvelles affaires pour. Ouais, mais ça, je vais me racheter tout ça, mais que ça la donne. Là. Mais j'en ai besoin. Là. Ouais. Mm-hmm.
Puis t'as-tu trouvé une place, toi, là, ça? Tu m'avais parlé que tu cherchais une place. Ah, j'ai même pas continué à chercher pour. Non? Non, mais j'ai rendez-vous pour une job lundi. Ouais? J'ai bien hâte de voir, là. Tu vas-tu y aller habillé de même, là? J'ai un costard, si tu veux, moi. Justement, là, je voyais ça tantôt, j'allais le jeter au vidange. Ah, ben ouais. Si ça te fait, là, je te le donne. On va l'essayer, là. Il y a peut-être des boutons à ranger, là, puis toi, si tu fais un peu de couture. Ok, ok. Ouais, c'est cadeau, je te le donne. Ah, ben merci. Ah, c'est beau, ça. C'est pas un peu chic pour un... Ouais, c'est ça que ça prend. Si tu vas avoir de l'allure pour une entrevue. Enfin, hein, tu aurais mieux que des jeans de plein de trous, là. C'est vrai. Ouais. Puis les finances, comment... Finances? Ouais. Moins 600, là. Moins 600? Ouais. Si tu veux, j'ai un petit peu de change. Tu veux un peu de chambre, là? T'es sérieux? Ouais, ça peut te dépanner, là. Ça peut te dépanner. Ouais, je te dois bien ça, là. Mais là, j'ai pas vraiment de chambre. Là. Tiens, c'est ça que j'ai, là. J'ai pas de chambre, mais j'ai ça. Là. Cool. 5 piastres. Ça va te dépanner, là. Ouais. Ça fait plaisir. C'est cool. Puis tu veux rester, toi, après? Moi, j'ai rencontré un Égyptien la semaine passée, là. Ben chill, là. Ça fait pas longtemps qu'il est ici, là. Puis il m'a offert d'aller rester chez eux en attendant que je trouve une autre place. Ok. Ah ouais. C'est qui ce gars-là? Un gars que j'ai rencontré sur la main demain. Là. Ah. Noé. Hein. Il arrive d'Égypte, là. Ça fait pas longtemps qu'il est ici. Ouais, bien gentil. Parti égyptien? Ouais, ben ouais. Ouais, ouais. Pas pire. Ouais, il parle bien un petit peu français, là. Un petit peu anglais. Un bon gars. Ben, c'est bon, c'était que. Ouais. Quand je t'ai vu, t'étais pas mal. Attends. Ah ouais, c'est une mauvaise passe, là. C'est du passé, ça me tente pas d'en parler, là. Ouais. Pis toi? Quoi de nouveau? Hey, j'ai vu une fille l'autre jour. Couru après toute la soirée. Couru après une fille? Ouais, après une fille. J'ai vraiment couru après, là. Ah ouais? Mal. Ah, c'est bien ça. Je sais pas trop, là. Ben vas-y, raconte. Ben, pas grand chose à raconter, je sais même pas c'est qui. Ouais, es-tu belle? Ouais. Ouais, elle est gentille au moins. Elle est partie. Tu sais, t'as-tu réussi à la rattraper ou elle est partie? Non, je sais pas, il y a pas grand chose à dire. Ok, ouais, c'est drôle. Qu'elle avec ça. Ouais. C'est bien. Écoute, moi, mon chien là-bas dans la douche, faut que je le sécher, là. Tu m'attends-tu 10 minutes? Là? Genre, ouais. Je t'en reviens, là. Bien sûr.
walking down the desert for 2,000 million miles on a broken camel. I shut down my horse and made the rest to the nearest oasis. What was not my surprise when I saw there standing on a big white stallion was my father, my own father. And I could see in his eyes, my own eyes, the reflection of my own tears, as I could hear myself sing. And never let your own father down when he needs you the most. And never let your own father down when he needs you the most. When I looked myself in the mirror, I saw I had become another gal. When I looked myself in the mirror, I saw I had become another gal. I'll never let your own father down when he needs you the most. I'll never let your own father down when he needs you the most. We traveled for miles and miles, we flew over the Pacific, flew over the Atlantic, and made all the way back to my home house in Mississippi. There we sat down for a cup of tea. Salut ma fille, comment ça va? Ça va, grosse journée. Toi, ça oui. va? Oui. C'est quoi ta visite? Tu veux qu'on mange ensemble aujourd'hui? Ben oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. T'as préparé quoi? Oh, non, j'ai rien préparé nécessairement, mais ça dépend si tu veux. Sinon, on commande une pizza ou. Sinon, je peux préparer des choux farcis, j'ai appris ça. Pardon? Je peux préparer des choux farcis, j'ai appris à faire ça l'autre jour avec mon ami. Ah oui? Oui. Ah, j'aime pas trop ça, mais bon, j'aimerais goûter à ta cuisine, ça serait pas pire. Hein. Mais non, mais si tu veux pas, on commande. Non, c'est comme tu veux, moi je veux te faire plaisir, c'est tout. D'accord. Ouais, on fait des choux farcis. Juste pour te montrer que j'apprécie ta visite et que c'est pour te faire plaisir. C'est pas souvent, hein, mais j'avais du temps aujourd'hui. Ben non, mais c'est bien comme ça, au moins. Ça va nous donner peut-être l'occasion de. Qu'on se parle ensemble, et puis t'as peut-être des choses à me dire, et puis tu veux te confier, et puis... Puis toi, tu fréquentes du monde, tu rencontres des gens dans le coin ou... Bon, pas en ce moment, je prends pas le temps de sortir, et puis c'est ça que je devrais faire, mais... Je me concentre sur mes affaires, sur mes... C'est un beau quartier ici, il y a plein de gens à rencontrer. Ouais, non, c'est le fun, c'est parce que c'est moi, je suis un peu côté de la traque, je suis un peu dans ma bulle, et puis tu sais bien que je fais ce que j'aime faire, et puis c'est tout, puis je suis trop passionné par ce que je fais, puis je prends pas le temps de le faire, mais c'est pas grave. À mon âge, il n'y a plus de problème. Toi, tu as tout ton temps, t'es toute jeune, t'as plein de gens à rencontrer, t'as plein de choses à faire. Fait que aller, moi, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait. Bon, mais c'est ça qui est important. Mais, bon, mais t'as... C'est quoi tes fréquentations Du monde. Rien de particulier, rien qui va être dessus. Du monde, ça veut rien me dire, ça, là. Bah, un gars l'autre jour que j'ai encore. Ah, bon, bah, c'est bon. Mais je le connais pas vraiment. J'ai juste croisé plein de fois en chemin. Ouais, et puis il te plaît, il. Mais en tout cas, de toute façon, ça te concerne. Tu veux le revoir ou quoi? Ou. Il t'intéresse ou. Bah, je sais pas. Bah, tu sais pas, il faut savoir. Essaye de savoir un peu ce que tu veux, là. Bah, je sais ce que je veux, mais c'est juste que ça ne te concerne pas, quoi. Ah, mais moi, je veux pas m'occuper de ce qui me regarde pas. Je veux savoir ce que
ce que tu fais, ce que tu aimes. Toi, de toute façon, non plus, tu fréquentes personne. Ouais, mais c'est, oui, ça, c'est bah, ça non plus, je pourrais te dire, c'est pas de tes affaires. Je pourrais te répondre la même chose, là. Voilà. Mais moi, c'est pas important. Moi, j'ai fait ma vie, déjà, là. C'est bah, à toi de faire la tienne, t'es toute jeune, là. Fais-la ta vie. Moi, je l'ai fait, la mienne. C'est tout. Je suis un vieux con, là, maintenant, là. Bah, tu sais, j'en fréquente du monde, là. Tu sais, il y a mon ami Léa, que j'ai vu hier, puis que je vois quand même souvent, là. Bah, c'est qui, Léa? Bah, c'est une fille que j'ai rencontrée, là, il y a pas si longtemps, puis, tu sais, vraiment chill. Je m'entends bien avec elle. Ouais, ouais, mais quel âge elle a? Ton âge, elle a... Elle a mon âge, là, puis... Ouais. Ça, on était dans un cours ensemble, mais... Ah ouais, un cours de quoi? On a pu, là. Intégration à machin truc, là. Ok, enfin, d'accord. C'est cool. Mais tu sors dans les clubs avec, tu vois, tu fais quoi? C'est quoi les activités que tu fais avec? Bah, tu sais, on sort, on se voit, là. Ben, on sort, on se voit, je sais pas, sœur, vous allez voir des gars ensemble, vous allez au parc, vous allez dans les clubs, vous faites quoi? Pas vraiment, là, je sais pas, on va prendre des bières, on passe du temps ensemble, on fait des trucs de filles. Puis... T'as confiance en elle, tu sens que c'est une bonne fréquentation ou... Non, c'est une belle fille, elle est vraiment intelligente. Ouais, bah, je l'ai rencontrée dans un cours qu'on a eu en première session, là, ça fait longtemps. Puis... Oh ouais. C'est non, bien. C'est drôle, on s'en était pas amis tout de suite, mais avec le temps, on s'approchait. Oh, ok, puis c'est avec elle que tu veux partir voyager? Sûrement, j'imagine. Bah, ça, ouais, mais cool. Ça serait peut-être pas mieux que tu la connaisses un peu plus avant de partir. On se connaît quelqu'un. Bien. Ouais. Ah bon, connais tes fréquentations, hein. J'ai pas de conseils à te donner, non. On se connaît bien. Bon, c'est bon, si tu veux. Thank you.
travail aussi. À 8 heures couchées. 4 heures la fin de semaine, ça suffit. Tu sais que j'aime et c'est tout. Le thème que j'ai, je fais ça avec tout ça. Ouais, merci. Je t'admire, là. Mais en même temps. Je te comprends pas. T'attends pas de faire autre chose? Un peu? T'es étudié, là. C'est bon. Mais ça fait comme 3 ans que tu fais ça, jour et nuit. Même pendant les vacances. Je t'avouais que ma vie, c'est un cocon bien ficelé. Je suis attachée à mon secteur. Ok, mais t'es beaucoup trop sérieuse, là, pour ton âge. Tu ne me sens pas la chair de ma jeunesse. Au contraire, tu ne me peux pas confronter la samedi avec la faculté de ton âge. Oui, mais tu sais, moi, mes envies, elles passent. J'ai une satisfaction. Et je m'accepte comme je suis. Ok. Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Tu connais l'histoire des 12 mendiants de Naples? Non. Un homme voulait tester les mendiants qui se couchaient au soleil. Il proposera une pièce pour celui qui était le plus paresseux. Lui a montré les pièces aux 12 mendiants. Et 11 se jetèrent dessous. Lui alla voir les 12e pour lui donner la pièce. Ok, fait qu'en fait, moi je serais comme le 12e mendiant. Qui sait?
Oui, donc, Monsieur Bertrand, j'ai bien reçu votre candidature. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre expérience de travail? J'ai pas d'expérience dans le domaine. J'ai fait du toilettage pour chiens avant. Puis j'ai passé les journaux, les publicsacs. Puis, mais j'apprends vite. J'apprends vite. Et de quelle façon votre expérience correspond un peu au poste que nous proposons ici à notre entreprise? Ah, je suis sûr que je peux bien, bien m'adapter. Je prends le rythme très rapidement partout où je vais. Mm. Vous envisagez quoi exactement? Une minivan, puis une famille. Je comprends pas, minivan, qu'est-ce que ça vient faire dans votre histoire de carrière? Je voudrais avoir un véhicule pour me déplacer. Oh, un moment, excusez-moi. Marie-Josée Lemieux, bonjour. Non, je suis avec quelqu'un, là, mais je suis en train de perdre mon temps, en fait. Oui, je vais te rejoindre, ça sera pas long. OK, bye. Bon, je vois un peu vos vêtements, là. Pouvez-vous m'expliquer où vous vous habillez? C'est fait sur mesure. Ça me semble un peu jauni, ça. En tout cas, c'est pas du tout approprié pour du service à la clientèle. Comme je vous dis, moi, je pense pas là, qu'on va pouvoir vous trouver un emploi. Vous êtes célibataire? Ouais. Vous avez des enfants? T'es-tu gaspésienne? T'es pas très lourd dans la balance, hein? La balance? Ouais, ben, vous savez, ce que vous me dites, moi, je vois pas l'expérience qui va avec, là. Ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais... J'apprends vite. Vous avez une bien bonne volonté. Moi, je vous invite peut-être à aller postuler ailleurs. Pour notre entreprise, je crois pas que votre candidature soit retenable. OK. Merci. Tu vois le topo? Là, à côté, on a un autre appartement. Puis le but, c'est de faire une autre pièce à cet appartement-là parce qu'on va avoir 100 pièces de plus. Sauf qu'avec le Cambodge qui est ici, il faut que tu commences par... tout ramassé, on refait les planchers, on structure ça à grandeur, on laine, polytène, fibroc. Ouais, faut que tu laines pour l'isolation. Après ça, tu mets un plastique pour que l'eau rentre en dedans. Mais l'idée, c'est de check les champignons et toute la merde partout. Si on pourrait se faire sucer par un rat ici, là. C'est. Masque, t'arraches, tu vides, tu clean, t'as catch. Je catch. Ouais, t'es capable? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, sors tout pour commencer, évacue. Ça, on démolit. Ok. Right? Ça marche? Correct. Tiens, mon beau. All right. Pelle, balèze toute la bande. C'est bon. Fais ça vite! Bon. Est-ce que je commence? Thank you.
Pourquoi tu m'as fait courir comme ça l'autre fois? Ben, j'aimais ton chapeau. Puis quand tu l'as échappé, je l'ai pris. Puis après, ben, j'ai couru. C'était juste pour le chapeau? Ben, au début, oui. Mais tu me fais un peu paniquer quand tu as commencé à courir après comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai couru si longtemps. Au début, c'était pour le chapeau, puis... D'un coup, c'est comme devenu comme un jeu. Je veux pas perdre. Ouais, je comprends. On a toujours un peu peur de perdre quand on connaît pas la personne. Mais je sais pas, moi, ça me dérange pas. J'aime ça jouer avec ça. Jusqu'à temps que l'autre s'épuise. Ah, j'ai bien vu. Ça me fait galérer à courir pendant 20 minutes. Mais moi, ça me dérange pas de perdre. C'est tant qu'il y a un mystère qui plane, tu sais. Ah, tu parles d'un mystère. Hein. La scène m'est revenue en tête, souvent après. Tant que ça. Mais t'as jamais trouvé après quelqu'un? Pas que je me rappelle. En tout cas, pas de cette façon-là. Ouais, mais au moins, t'as pas couru pour rien, là. Tu l'as récupéré, ton chapeau? Oui, c'est vrai. Mais en le récupérant, j'ai senti comme une insatisfaction. Pourquoi ça t'a pas suffi, cette petite course-là? C'est comme si le chapeau était plus vraiment important. Je courais plus pour récupérer le chapeau, juste pour voir ton visage. Ah ouais, mais moi je savais déjà que tu ressemblais à quoi là. J'avais choisi dans l'eau, tu sais. Choisi, tu dis? Ouais, ben enfin, dans le tas là. Ben c'est quoi ton choix? Trouver la personne, tu vas... par le plus courir, que tu as impressionné le plus. En tout cas, tu as gagné. Hein. Je suis pas une vie très palpitante. Non, mais celle-là, je la mets de côté, tu sais, parce que c'est là qu'est ton expérience. C'est ça qui va te prendre des brouillards. Fait que tu me dis que je suis juste condamné à plus vivre qu'une nouvelle expérience. Puis toi, tu penses en faire quoi des nouvelles expériences?